bienvenue donc dans ce MG. Regardez, nous sommes dans le EHS, effectivement. Donc, on va vous montrer ici une petite un menu caché. Alors, on va essayer de faire ici. Ici. Donc, c'est pour le déblocage en fait de la vidéo en roulant. Alors à faire très très attention, et ici vous appuyez plusieurs fois d'affilée, regardez, nouveau menu qui s'affiche, canne info, page 2, donc il est ici en activé, sécurité vidéo activée, vous le désactivez, normalement ici il est en 6, ça c'est pour les applications affichage au niveau du... au niveau de l'écran. Donc là j'ai mis 8, sinon par défaut il est 6. Voilà, après vous avez d'autres pages. Donc quand vous avez fait le réglage, surtout vous appuyez sur OK. Hein. Donc après le problème, c'est que je ne connais pas ce que ça veut dire tout ça. Parce que c'est marqué en chinois. Ça aurait été marqué en anglais, ça aurait été très très bien, mais malheureusement là c'est en chinois. Et on n'a pas la possibilité de savoir de quoi il s'agit. Donc du coup, je ne fais pas trop de réglages parce que même avec ce qui est marqué, j'arrive pas à comprendre à quoi ça peut correspondre. Parce que des fois, on pourrait voir, je sais pas moi, PAL, CECAM, NTSC par exemple pour la vidéo. Et là, c'est pas le cas. Donc là, le DAB RDS, il est bien activé. Donc ça, c'est pour la radio. Après ici, type A, type B ou note RDA, je ne sais pas à quoi ça correspond. Là ici, on est sur ON, aucune idée non plus. En bas, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je ne touche pas. L'idéal, c'est d'avoir un chinois éventuellement qui puisse nous traduire pour voir à quoi ça correspond. Alors, avec l'extérieur, filtre et pas de filtre, je pense que ça c'est pour la partie clim. Voilà, parce que le filtre avec filtre air ou sans filtre air, je pense que c'est pour le filtre d'habitacle. Mais après peut-être que j'ai faux, hein, mais ça c'est mon interprétation. Mais c'est pour ça que je ne touche pas. Page 5. Donc... Alors, a priori, ici, on peut avoir... Là, il n'y a que le ESP. On pourrait activer le ESP et l'ABS. Ou que l'EPS, enfin l'ESP et un autre truc. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, vous voyez, ça serait plus au niveau de la sécurité, je pense. De sécurité freinage, enfin tout ce qui est organe de sécurité. Page 6. Caméra, donc 360 de ce que je vois, elle est analogique et non numérique. Après ici, je vois, après le reste, je vois pas ce que c'est. Et là non plus. Voilà, là au moins vous avez eu accès à l'ensemble de tout le menu global de l'appareil. Ici donc les certainement les versions etc. Page 1 donc et surtout c'est page 2 pour la vidéo. Vidéo donc c'est ici, vous désactivez, donc c'est la sécurité pour visionnage pendant que vous roulez. Alors attention, perte de 6 points au permis de conduire. Hein. C'est passé depuis cette année. Donc faites très attention en roulant. Et ici, donc il est en 6 par habitude. J'ai mis en 8. Ça veut dire que s'il y a d'autres applications. Il va les afficher. Voilà. Et bien sûr les vidéos donc sur clé USB que vous mettez donc ici sur l'une des USB et vous pouvez donc regarder les films directement là-dessus. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire le OK. Et il va se réinitialiser pour dire que tout est OK.
Alors c'est un peu long, mais voilà. En même temps, j'en profite, hein, la casquette pour ceux qui en veulent. Hein, donc c'est disponible à 15 € avec les frais de port offerts sur toute la France. Et voilà. Et la vidéo, bah, il est grisé parce que tout simplement, il n'y a pas de support. Il n'y a rien, et donc du coup, mais sinon quand vous roulez, effectivement, vous pouvez regarder la vidéo en roulant. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a fait plaisir. Attention, il est préférable de prendre des photos avant de faire des déréglages. Et pour si jamais il y avait un dysfonctionnement ou autre, pour pouvoir revenir au réglage par défaut. Donc voilà, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Bien sûr, ce genre de réglage ne sort pas le véhicule de sa garantie. Hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Après, voilà, si là je vous ai juste montré pour l'activation en fait de la vidéo, à savoir que voilà, vous risquez quand même la perte de points au permis de conduire. Donc pour ceux qui veulent éviter de perdre des points, laissez comme c'est d'origine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et puis on essaiera de vous répondre. En espérant que ce tuto vous a fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le fan club MG Motor FR sur Facebook. Une communauté entre utilisateurs de tous les véhicules MG commercialisés, principalement donc en France. Voilà, sur ce, bonne journée, à bientôt.